Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Brick & Stratton. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que les nouveaux moteurs Brick & Stratton qui sont dépourvus de lanceur manuel où finalement il y a un démarreur avec donc une batterie qu'on vient mettre, on appuie sur le bouton et ça démarre, étaient vraiment des machines problématiques. Problème soit de contacteur ou problème au choix de batterie chargeur, mais également de démarreur. Il y a vraiment beaucoup de pannes sur ce genre de machine là. Quand ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de tirer sur la corde pour démarrer, c'est plutôt agréable. Par contre, en termes de SAV, c'est quand même assez lourd. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais écoutez, cette machine là, elle fait pas exception à la règle. Elle a un problème de démarreur. Ça donne ça. Ça va pas plus loin que ça, ça ne démarre pas. Pour moi, c'est le démarreur. On va donc démonter tout le capotage pour avoir accès au démarreur et remplacer le démarreur. C'est parti. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Avant toute chose, ce qui me fait penser à un problème de démarreur, c'est que je me retrouve avec une batterie chargée à fond. Donc, le chargeur du client doit fonctionner parfaitement et la batterie étant chargée à fond doit également être bonne. Donc maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le démarreur ou éventuellement des problèmes de connexion. Mais si on avait des problèmes de connexion, quand j'essaie de démarrer, ça ne ferait pas du tout de bruit finalement. Là, le fait que le démarreur essaye de se lancer par à-coups mais n'a pas de puissance me donne une indication comme quoi c'est probablement le démarreur. Donc moi, je reste sur mon idée, on remplace le démarreur. Maintenant que ça c'est dit, on va donc démonter tout ça. Première chose, il n'y a pas de vis. Là, tout est c'est clipsé. Faut réussir. Faut oser en fait, faut réussir. Hein, voilà. Ensuite, ça c'est clipsé, mais il y a quand même une vis là, une vis là, peut-être une autre devant, mais je ne crois pas. Voilà. Le démarreur est donc ici. Pour être plus à l'aise, on va quand même démonter cette pièce là, clé de 8 là. Chercher une clé. On va d'ailleurs pouvoir réessayer en enlevant ça, là, on va mieux voir ce qui se passe là-dessous. Alors ça donne quoi? Ça bouge, mais vraiment de quelques millimètres, donc pour moi la connexion est bonne, mais il n'y a pas de puissance. Alors, comment il se démonte ce démarreur? Il doit y avoir des vis de chaque côté, je suppose. On va s'installer mieux que ça, je vous reprends. Bon, là on est plus à l'aise, on a donc une vis de 10 ici en dessous là et une au-dessus, juste au-dessus. Bon, vous voyez peut-être pas parfaitement les vis,
Mais bon, ce n'est pas, ça n'a pas un grand intérêt. Voilà. Déjà, de ce que je peux voir, le démarreur a l'air d'être bloqué en position haute. Il ne redescend plus. Ça me semble étonnant. Ou alors il est en position, il reste toujours en position comme ça. Ça me paraît bizarre. On va regarder sur le 9. Hein? Un démarreur neuf. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Le pignon monte et descend. Là, on est bloqué en position haute. Déjà, ça commence mal. Bah écoutez, de toute façon, on le débranche. On va remettre le neuf à la place, qu'on va venir brancher directement. Et c'est reparti, sens inverse. C'est plutôt simple comme procédure. Par contre, le démarreur est cher, évidemment. Là, est-ce que ça fonctionne? On va en mettre sur ces quatre trous. Notre batterie, c'est bon, on teste. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mon démarreur n'a pas tenu. Pourquoi le démarreur, les vis n'ont pas pris? Ah, je pense qu'il y a eu une modif sur le démarreur. Attendez, attendez, attendez. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de filetage. Que se passe-t-il? Si je prends mon ancien démarreur. Ah oui, ok. Ils ont fait des modifs. Les platines ne sont pas du tout de la même largeur, ce qui fait que les vis ne vont plus. C'est pour ça qu'il y a des vis dans le carton. Comme quoi, toujours, quand les vis sont fournies, prendre les vis neuves. Je vais chercher les vis. Les vis sont du coup beaucoup plus longues parce qu'ils ont modifié. On recommence.
En tout cas, ça avait l'air de démarrer. Oh, c'est toujours comme ça. Faudrait trois mains. Là. Déjà, le fait qu'ils aient modifié le démarreur, c'est pas pour me déplaire, ça veut dire qu'ils ont peut-être modifié aussi la qualité. Il y avait peut-être des défauts. Bon, maintenant ça tient bien. On recommence. Comme quoi, le live, ça permet aussi de comprendre des choses. Vous avez vu en live que si vous faites comme moi sans changer les vis, vous allez avoir des problèmes. Ah! C'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà, c'est réparé. C'était bien un problème de démarreur. N'y a plus qu'à tout remonter et essayer de démarrer la machine. Bon, vous voulez que je vous remonte tout? Bon, allez. Après tout, c'est pas long. On va faire un vrai test. Alors, on avait trois vis. En fait, ces moteurs-là, je trouve l'idée vraiment évidemment bonne hein, d'avoir un démarreur électrique, mais ils auraient dû laisser le manuel également. Mettre l'électrique et le manuel, comme ça, quand ça déconne, on peut quand même finir la saison, éventuellement en démarrant à la corde ou autre. Ça évite de tomber en panne bêtement, en fait. C'est beaucoup de frais de changer le démarreur. Ils auraient dû laisser au moins cette option-là, quoi. Parce que là, si vraiment on ne démarre plus, bah, c'est la panne de chez la panne, quoi. Il n'y aura plus rien à faire, quoi. Enfin, c'est peut-être le but aussi, remarque, hein. Le but, c'était peut-être de faire du SAV, de vendre du démarreur, hein, je sais pas, mais bon. Ça aurait été plus intelligent de mettre les deux. Laisser le choix aux gens, l'un ou l'autre, c'est quand même mieux, ça part d'une meilleure intention. Alors, ça tient, mais vraiment parce que c'est la mode. Hein. C'est vraiment pas terrible. Hein. Hop, je remets la bougie. Ça pète. Bon, après, si elle démarre pas parce que le carburant est dégueulasse, c'est un autre souci, hein, mais en tout cas, le démarreur devrait être assez puissant pour lancer la compression. Allez, hop. Allez, je la sors dehors, on fait un test de démarrage. Allez, on essaye la bête.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!